possiamo iniziare. Buonasera, grazie per essere qui questa sera. Siamo particolarmente felici di avere David Clairbout, il cui lavoro è in mostra L'illusione della luce o Il Workers, credo che voi lo abbiate visto. E questa sera dialogherà con un nostro vecchio amico, una nostra vecchia conoscenza, Philippe Lemichaud e Thierry Davila. Quindi lascio a loro la parola e a più tardi. Grazie, andiamo di sopra. Buonasera a tutti. Allora, oggi parleremo francese perché David parla olandese e Thierry e me parliamo piuttosto francese che italiano o inglese. Allora, abbiamo deciso di fare questa conversazione in francese. Alors, quelques petits mots d'introduction pour présenter David Clairbout et Thierry Davila. Alors, David Clairbout, peut-être c'est pas absolument nécessaire de le présenter. Je dirais sans hésiter que c'est un des artistes les plus importants de la dernière décennie. Depuis le milieu des années 90, il invente une œuvre très singulière qui se situe entre l'image fixe et l'image en mouvement, entre la photographie et le film. C'est un travail surtout d'installation et qui utilise de nouvelles technologies. Il y a une véritable prise en charge des technologies numériques, mais qui lui permettent de poser des questions qui se sont posées de manière universelle bien avant l'apparition de ces nouvelles technologies, des questions qui ont trait, qui ont trait au temps, à la lumière et à l'ombre, c'est-à-dire aux questions du passage, passage de la lumière, passage de l'ombre et passage du temps, qui ont trait aussi à une sorte de réappropriation de la peinture à travers les moyens offerts par le numérique et qui portent aussi sur la construction de l'image et de la figure. Mais on aura l'occasion de revenir sur tous ces thèmes au cours de cette conversation. Et Thierry Davila est conservateur au MAMCO à Genève et il prépare une exposition, une rétrospective consacrée à David qui ouvrira en juin 2015 au MAMCO. Alors Thierry est donc conservateur au MAMCO, il est chargé aussi des éditions et il a déjà une bibliographie imposante et il a réalisé de très nombreuses expositions. Alors, je vais peut-être. On parlera certainement de l'œuvre qui est exposée en ce moment dans l'exposition du Palazzo Grassi, Oil Workers, et on peut peut-être commencer d'ailleurs par parler de cette œuvre, David. Et peut-être montrer quelque chose. Bonsoir, moi je suis le vidéo jockey de ce soir. Bon, c'est un titre assez long qui est une appropriation d'un titre qui appartient à une image que j'ai trouvée sur l'Internet il y a quelques années. Oil Workers of the Shell Company of Nigeria, Returning Home from Work, Caught Up in, en fait ça devrait être Torrential Rain. Et c'est une toute petite image, je vais voir, voilà c'est celle-là. Ça, c'est l'image d'origine de la pièce. En fait, ma reconstruction ressemble pas mal à l'original. Et en fait, c'est une image complètement non spectaculaire, mais qui a comme item qui m'intéressait beaucoup, c'est que c'est une... dans le titre, il y a l'huile, oil, The Shell Company of Nigeria, et puis rain, donc eau. Et que ça fait que le sujet de l'image sera toujours entre l'huile et l'eau, de composants qui ne pourront jamais vivre ou marcher ensemble ou être mélangés. Ensuite, l'eau, l'humidité, ce n'est pas exactement ce qu'on identifie avec le continent africain. Le continent africain, c'est souvent qu'un concept moderne, c'est la sécheresse, le conflit, la pauvreté et l'immigration problématique.
Et donc, ce qui m'intéressait dans cette image-là, c'était ce dialogue entre ces deux, ce côté matérialiste de l'eau et de l'huile, mais aussi une troisième matière qui est très difficile de définir, les méthodes de produire l'image jouent certainement un rôle. Cette troisième matière, elle est comme, je la décris souvent comme une sorte de, c'est une matière artificielle, complètement virtuelle, un peu plastifiée, presque comme de l'époxy, une matière qui n'existe pas certainement, et qui entre ces deux états de mouvement et de photographie. En fait, c'était ça pour moi la fascination de base pour commencer à travailler sur Oil Workers. Je dois avouer qu'avant ça, j'étais sur un thème qui était beaucoup plus chargé, qui était un thème sur la guerre, mais où, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, la production ne s'est pas faite pour des raisons diverses, et que finalement, j'ai trouvé cette image. C'est un peu la façon dont je travaille, en trouvant, ne pas cherchant. Et puis j'ai fait de la recherche sur les reports, les rapports dans la photographie entre l'eau et l'huile, entre ce qui est sticky, comment on dit ça en anglais, en français, sticky. Gluant, et ce qui est complètement fluide. Donc le stickiness, et son opposé serait l'eau. L'eau est presque l'index ou la définition de quelque chose en flux, en mouvement ou en changement constant. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que j'utilise l'eau comme sujet. Et donc, j'ai essayé de chercher où ces deux états, ces deux matériaux se rencontrent dans la photographie, jusqu'au point de plus ou moins ne plus pouvoir faire la distinction entre les deux. Et ça, c'est en fait la recherche de base, qui est une recherche complètement simple, si vous voulez, sur les phénomènes de deux matières. Et ensuite, j'en ai fait un esquisse digital, aussi très simple, pour essayer quelle serait la durée, est-ce que ça peut fonctionner, une image pareille dans cet univers entre l'eau et l'huile. Donc là, je vous montre un petit peu ma cuisine. Et ensuite, ça, c'est des images que je montre d'habitude aux étudiants. C'est moi qui suis en train de construire dans la studio un setup avec à peu près 40 caméras digitales qui captent en un moment. On connaît tout ça évidemment de Hollywood, des productions diverses où cette méthode est utilisée, mais je l'utilise pour rassembler toutes ces informations sur un caractère et ensuite en faire un scan. Donc là, on voit le device complètement accompli, et au milieu, là, on voit un personnage en train d'être photographié. Donc, ensuite, le personnage, et là, c'est là où ça devient intéressant avec le statut du travailleur exploité, c'est que le personnage se divise en deux, dans une forme de géométrie, une forme géométrique, et une texture superficielle, qui est des couleurs, tout ce qu'on a porté. Donc le caractère est divisé en deux jusqu'au moment où, à la fin de la production, il sera de nouveau réuni. Encore des détails. Là, vous voyez un état intermédiaire des pieds. Évidemment, vous remarquez des références à la sculpture. C'est pas fait pour. Ça appartient tout simplement au langage de 3D que j'utilise. Et là, vous voyez la géométrie unique de quelqu'un avant que les textures soient mises dessus. Et ça, c'est ce que j'appelle, on en a parlé déjà aujourd'hui, mais c'est
ce que j'appelle mes zombies. Les zombies, c'est une enveloppe vide, sans âme, sans intestin, sans rien, mais uniquement une texture qui brille dans la lumière, n'importe quelle lumière qu'on la donne, mais qui a pas de yeux. Et qui, en fait, pour moi, l'équivalent digital de l'idée de la zombie, c'est le personnage pour qui ça ne fait aucune différence d'exister ou pas, ou qui ne sait pas pourquoi il est sur Terre. Puis la production des yeux, il faut le faire aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle un clay model, c'est un modèle uniquement en matière sans texture. Et puis un personnage à moitié complet. Ensuite commence la construction de l'espace, que j'ai approprié de la photographie que j'avais trouvée pour la remplir avec les différents caractères. Et en fait, c'est ça le procédé de Oil Worker. C'est un... mais je n'appelle ça, jamais ça une production technologique. Pour moi, c'est jamais ça. C'est les accidents et les paradoxes sont dans la production, presque. Donc, tu construis une sorte de... Tu pars d'une image et l'image se dissout petit à petit. Tu construis un théâtre virtuel qui se dissout à son tour dans l'œuvre, qui est une sorte d'état intermédiaire entre, oui, l'image fixe et l'image en mouvement. Et on a l'impression, enfin on a revu la pièce avec Thierry tout à l'heure, on a l'impression qu'on part d'une image fixe et qu'il y a un mouvement de caméra à la surface, que le mouvement est extérieur à l'image, qu'il glisse. Tu parlais de caresses, hein, sur les figures, hein, à propos, mmh, de ces mouvements de caméra. On a l'impression que la caméra glisse au-dessus de l'image, et puis elle forme un cercle en descendant dans la boue, et elle revient derrière les personnages, et à ce moment, on s'aperçoit qu'on est devant un dispositif en trois dimensions, hein, qui a du volume dans l'image, ce qui produit un effet de réenchantement de l'image. Et ce que tu disais des zombies a probablement une résonance politique, hein, aussi. Thierry parlait de la dimension politique de ton travail. Je pense qu'elle est tout à fait évidente, hein, dans cette pièce, dans Oil Workers. Oui, et au tout début là, de ton exposé, tu as dit que tu partais d'une image non spectaculaire. Et c'est vrai que chaque point de départ semble être, dans ton travail, un non-événement. Il y a une sorte d'heuristique du non-événement qui te permet de travailler la visibilité justement de ce qu'on a sous les yeux. Je pense que ça c'est vraiment une posture éthique et politique. Est-ce que tu pourrais peut-être développer cette idée que ce sont chaque fois plutôt des non-événements qui constituent le point de départ des scènes que tu filmes, à tel point que au fond la seule chose qui apparaît, c'est la pure et simple exposition du temps. Ben, l'événement, pour commencer, il est déjà colonialisé par le cinéma, par la littérature, par tout ce qui est séquence et montage. Naturellement, ce serait difficile pour moi de m'approprier de ça. Par contre, ce qui est étrange, c'est que une image qui ne semble pas avoir de centre d'attention, qui semble se disperser dans le temps et être perdue un petit peu dans le temps par manque de spécificité, m'intéresse le plus parce que je sens que je la considère comme une surface et non pas comme un moment dans le temps qui a jamais perdu ou un événement dans le temps qui a jamais perdu. Là, je vais perdre un petit peu mon... Oui, mais bon, en fait, l'idée est aussi qu'il faut surtout pas garder ou essayer de garder l'attention du spectateur.
Surtout pas, plutôt le contraire. Essayer de l'encourager peut-être de s'en aller, ou même de suggérer que en fait, vous êtes en train de perdre votre temps. Cette idée m'a toujours plu comme façon d'être contraire à cette culture qui essaye de capter les attentions tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que j'ai fait des œuvres qui durent 15 heures ou qui n'ont pas de durée du tout. Aussi long qu'elle se distingue du monde cinématographique, disons, le contrat symbolique de se mettre pendant 120 minutes dans un fauteuil. Et au lieu de ça, en fait, de créer quelque chose où on peut flâner, on peut aller, revenir, mais surtout ne pas avoir un contrat précis avec le spectateur. Ça, c'est, je pense, important. Il n'y a pas de contrat précis avec le spectateur. On est vraiment libre, vraiment libre devant ton travail. Il n'y a pas de captation de conscience au fond. Hein. Mais en même temps, c'est une manière subtile de remettre la question de l'attention et de la perception au premier plan. Parce que on est libre de passer son chemin, de regarder et de ne pas regarder, de remarquer ou de ne pas remarquer. Mais le pouvoir de pas de fascination, mais de captation des images est telle qu'on revient fatalement et que l'expérience qu'on fait de l'image, c'est une expérience qui nous fait, comment dire, réaliser que nous la percevons, que nous la regardons au moment même où on la regarde. Il y a ce phénomène, tout à l'heure en regardant la pièce avec Philippe Alain, c'était frappant, le spectateur devant All Workers et devant tout ton travail, c'est qu'il regarde quand il est devant la scène projetée. Il me semble que quand même il y a dans ton travail toute une pédagogie de la perception, une pédagogie de l'attention qui va contre un certain registre du spectaculaire et qui complète peut-être aussi le fait que tu choisis des non-événements justement pour mettre l'attention pure au fond au premier plan. Je peux peut-être continuer sur cette question de l'attention et de l'inattention en parlant des pièces très très longues que tu as réalisées comme Bordeaux Peace ou White House qui font un petit peu diptyque, hein, il me semble, puisque Bordeaux Peace c'est une pièce qui est filmée en été 2004, White House c'est une pièce d'hiver, mais qui sont toutes les deux des pièces qui durent entre 13 et 14 heures, c'est-à-dire des pièces qui excèdent largement la possibilité de l'attention et qui excèdent même largement la possibilité des institutions de les présenter, puisqu'il n'y a pas d'institution qui ouvre pendant 13 ou 14 heures d'affilée. Donc c'est des pièces à l'intérieur desquelles on entre, mais devant lesquelles on ne peut pas se tenir du début à la fin. Et ces pièces sont, enfin je vais pas les raconter à ta place, peut-être tu peux décrire un petit peu les pièces et on peut en parler. C'est Bordeaux Peace et White House, l'un est fait un an après l'autre. En fait, ils sont faits, produits très proches de l'un et l'autre. C'est deux maisons qui étaient sur le même terrain. Et on pourrait dire que j'étais un peu paresseux peut-être, mais j'avais une histoire dans la tête pour Bordeaux Peace qui était la première, une histoire un peu bête d'un triangle d'amour entre un père, son fils et la copine de son fils. Mais bon, cette histoire était un prétexte en fait pour étudier le mouvement et le changement de la lumière en temps réel sur un lieu. Des projections, des ombres, des arbres sur les murs et leur passage du temps. Et l'autre, White House, je l'ai fait l'année après, un peu par vengeance sur Bordeaux Peace, parce que je sens... Bordeaux Peace était quand même baigné dans une sorte de luxe de temps, comme si c'était l'été et tout est chaud, et on est toujours en vacances devant cette pièce. C'était une pièce beaucoup plus violente. White House est devenue une pièce beaucoup plus violente, où j'ai tout simplement polarisé les deux, l'avant-plan et l'arrière-plan. L'avant-plan devient tout simplement plus difficile à regarder parce qu'il est violent, mais l'arrière-plan bouge aussi de façon aussi élégante que fait le temps en réel, les ombres et le soleil.
Mais plus généralement, je pense que je commence à réaliser que ce qui m'intéresse, c'est quand le spectateur et moi, on sente ce que je décris comme le temps biologique. C'est le temps qu'on prend pour naître, vivre et mourir. C'est notre temps, c'est l'expérience de temps la plus intime, de la durée la plus intime, c'est que quand on se sent vieillir, quand on se sent passer son propre temps corporel et biologique. Et pour cela, il ne faut rien faire, il faut juste avoir un manque d'attention. Et je confronte ce temps biologique avec le temps mesuré, ce qui est le temps, on pourrait dire aussi le temps atomisé, le temps qui est divisé dans des petites parties et chaque fois des plus petites parties. Et c'est un temps qu'on peut, on peut dire qu'il vaut de l'argent. Il est contraire au temps biologique. C'est un temps qui... vous voyez, quand je fais perdre une heure de votre temps devant une pièce à moi, vous avez perdu une heure de votre temps biologique, mais en même temps une heure de votre temps de capital. Et je sens que aujourd'hui, c'est comme si on avait, si on participait aux enchères, aux ventes aux enchères. Non, c'est pas comme ça. Les ventes aux enchères, c'est autre chose. Mais c'est comme notre temps corporel était à vendre. Ça vaut une certaine fortune. Et le plus âgé qu'on est, le plus nerveux qu'on devient sur la perte de cette fortune. Et c'est un peu une critique sur cette valorisation du temps automatisé ou atomisé qui est tout mon travail. Et c'est pour ça que je vois la durée comme quelque chose de sculptural, quelque chose qui prend une vraie forme. Qui a un rapport à l'espace, à la fois. Ironiquement, cet espace est devenu virtuel. Il est devenu non existant. Il est dans la mémoire. Ouais, peut-être revenir aussi sur l'origine de All Workers, c'est-à-dire une image trouvée. Et l'idée de trouver des images, de les chercher, de collectionner des images, c'est un geste tout à fait essentiel dans ta vie, dans ton travail, puisque la première exposition, au fond, que tu aies signée, si j'ose dire, après tes études à l'École des Beaux-Arts d'Anvers, c'est une exposition dans laquelle tu as montré des images que tu avais trouvées, des images de fitness que tu avais trouvées, en cherchant les choses, ou en ne les cherchant pas d'ailleurs, dans les bibliothèques. Aujourd'hui, je sais que tu passes beaucoup de temps dans des bibliothèques qui sont à Berlin, quand tu peux aller à Berlin. Donc l'image ready-made, au fond, l'image toujours déjà là, l'image trouvée, ça a été vraiment un point de départ important dans ton œuvre. Pourquoi cette passion pour l'archive, au fond, hein, comment elle intervient dans ton travail, et puis comment, une fois que tu as fait une collection d'archives, comment une image parmi des centaines, des milliers d'images te convainc de pouvoir devenir une œuvre? Qu'est-ce qui t'arrête dans une image au point que tu puisses en faire quelque chose comme une œuvre? Si j'ose, si je peux me permettre de historiser un peu, mon travail commence au milieu des années 90. Et c'est une période après les Neue Bilder, après toute cette euphorie de la peinture monumentaliste. Personnellement, j'appelle ça souvent de la merde. Il y a eu beaucoup de choses très cheap produites à l'époque que je détestais. Mais je pensais qu'on ne pouvait que produire ça pour devenir un artiste. En fait, c'est un peu là, de là où je sors, de la création des œuvres gigantesques faites par une génie. C'est un peu ça, ça m'ennuie infiniment. Et j'étais peintre d'ailleurs. Donc j'étais supposé devenir un artiste comme ça, probablement. Heureusement, le marché a écroulé. Et je retrouvais ces livres de mes grands stars, qui étaient Anselm Kiefer et tout ça, dans des ventes à 2 euros. Mais ce n'était pas encore l'époque de l'euro. Et
Et je me sentais sur deux côtés libéré, c'est-à-dire ne pas sentir le devoir de créer, de faire de l'art, et de peut-être justement pouvoir me concentrer sur mon archive et sur ce que j'avais trouvé. D'ailleurs, j'en avais complètement marre d'être... j'avais 25 ans et j'avais une carrière d'artiste qui ne fonctionnait pas depuis 15 ans. J'avais commencé très très tôt. Et donc ça commençait vraiment... Ma libération, c'était d'arrêter d'essayer de jouer l'artiste. Et j'ai en effet traversé une période de 3 ans en collectionnant des images de librairies et de n'importe où. Qui étaient auparavant les inspirations pour des œuvres médiocres que j'avais faites, enfin toujours, mais et que maintenant finalement je devais seulement les regarder, et ça m'a quelque part ça m'a libéré, mais surtout ça m'a appris que je ne voulais pas que les images que je trouvais deviennent des stars, qu'elles deviennent des ou que je les utilise, ou que je deviens un star sur leur dos et grâce à eux. Je voulais que elles, je sentais que en fait je voulais en prendre soin. Je sais que c'est un peu stupide, mais en prendre soin, c'est vraiment de les soigner. Et c'est peut-être le contraire de la pornographie, où on a un pouvoir illimité sur le sujet, même s'il n'est pas là, mais sur ce qu'on pense. Donc c'est un peu le contraire du regard pornographique, c'est de dire mais cet être-là, il est quand même très fragile, il faut pas le jeter, il faut en faire quelque chose. Et c'est à partir de là où je pense que j'étais un peu, je me sentais un peu comme l'antagoniste de ce que j'appelle une génération de paranoïa. Parce que c'est en fait je dis souvent que le cinéma ça appartient au paranoïa aussi, mais je sais que c'est pas vrai, mais ça explique un petit peu mon rapport haine-amour avec le cinéma. C'est-à-dire que de trouver devant soi un monde où tout peut être accusé de quelque chose. Et je me posais la question, qu'est-ce qui se passe si rien ne peut être accusé de quelque chose? Et c'est de là où je pense que j'ai découvert ma préférence pour des images qui étaient très simples et souvent déjà archivées, ou clairement dans leur côté noir et blanc et parfois pixelisé comme ça, ils étaient clairement dans le passé. Parce que tu fais des photocopies de ces images, je crois. Les images que tu trouves en bibliothèque, tu fais des photocopies de ces images. Oui. Tu les conserves sous forme de photocopies, hein, de reproduction. Et surtout, j'oublie l'origine. L'origine, c'est... Mais il y a quand même un usage paradoxal de l'archive dans ton travail, parce que je ne sais pas combien tu as d'images, mais j'imagine que tu en as un certain nombre, mais tu ne les utilises jamais de manière sérielle. Tu en isoles une et tu repars d'une image. Et à partir de cette image, j'ai l'impression que tu dis que tu voulais pas en partir de la peinture pour ne pas créer, mais en même temps, ce que tu fais, c'est dissoudre l'image en quelque sorte, c'est partir de l'image pour aller vers quelque chose d'autre, et ça forme un cercle parce que tu reviens vers un régime d'image mais entièrement modifié parce qu'il est entièrement reconstruit à travers les processus de la numérisation que tu explores de manière extrêmement sophistiquée en oscillant entre l'image fixe et l'image en mouvement. Il y a beaucoup d'œuvres qui consistent à injecter du mouvement, à faire revenir à la vie les modèles qui ont posé dans les images photographiques que tu isoles. On voit un visage qui se met fugitivement à bouger dans une image fixe. Et d'une part, j'ai l'impression que dans ce travail
d'injection, de réanimation des images, il y a quelque chose qui est absolument dans la logique de l'image numérique, où il n'y a plus de différence entre les images fixes et les images en mouvement. Dans la culture analogique, enfin dans la sphère analogique, l'image, elle était modifiée dans son ensemble, dans la séquence d'un film, dans la bande de photogrammes, chaque image est modifiée l'une après l'autre. Alors que dans la culture numérique, dans le système numérique, ce sont les éléments à l'intérieur de l'image, les pixels à l'intérieur de l'image qui bougent pour produire un mouvement local à l'intérieur de l'image. Donc d'un côté, j'ai l'impression que c'est cette façon d'animer les images, c'est quelque chose qui a à voir avec la technologie la plus contemporaine dans la production du visible. Et puis en même temps, c'est une manière de renouer avec les idéaux du premier cinéma, hein, où il y avait cette sorte d'ambiguïté entre l'image fixe et l'image en mouvement, où brusquement, on voyait des corps qui se mettaient à bouger sur un écran et qu'on voyait ça arraché à l'immobilité. Et cet effet, Thierry a écrit un texte sur le travail de l'ombre dans le très beau texte sur le travail de l'ombre dans l'œuvre de David. Cet effet de mouvement, c'est là qu'on rejoint la question du zombie, elle est associée à quelque chose de morbide. Le fait que les corps se mettent à bouger dans les images, c'est associé à comme l'apparition des spectres. Et il y a cet effet paradoxal de l'animation des images qui les reconduit à un statut de fantôme. Et ça, je pense que ça traverse ton travail dans l'oscillation entre les images fixes et les images en mouvement. J'essaie de travailler sur plusieurs plans sans qu'aucun des projets puisse dominer. C'est-à-dire que la structure, je ne suis pas un structuraliste, mais il y a un souci pour la structure de l'image et du mouvement qui est fondamental et qui peut être l'apparition accidentale des images, comme si je prenais ici et là des images, elle est en fait réelle. C'est en même temps, c'est vrai que c'est accidental, mais en même temps, quand le résultat est là, les pièces commencent à avoir l'aura d'un chef-d'œuvre quelque part. Certainement, si on commence à le comparaître avec la peinture et avec la peinture historique, la composition, évidemment, c'est mon histoire, la peinture. Mais je me rends compte aussi qu'il y a un autre élément qui joue un rôle, c'est le langage. Et même le langage parlé et réfléchi. Le langage intériorisé m'occupe beaucoup sans que j'en ai aucun contrôle. Et bien dans ce sens que si de tous ces composants de laquelle l'image est constituée, si on essayait de singulariser un et de l'enlever et de spécifier cet élément, on perdrait la poésie du total. Mais évidemment, c'est ce que probablement n'importe quel artiste essaye de faire, mais chez moi c'est très important. Et ça a à voir avec cette ambition de libérer, le statut de la photographie qui est dedans. On passe vite, on n'a qu'une seconde pour regarder. Eh bien voilà, je vous ai donné une photographie. Si on reste 10 minutes, 15 minutes, vous avez vous-même donné une évolution dans cette photographie, faire autre chose. Et donc le langage qui, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que comme jeune artiste, j'étais vraiment très non-verbal. J'avais vraiment des problèmes à m'exprimer. Heureusement que je savais dessiner. Et ça m'a vraiment sauvé dans le sens que je pense que je savais lire dans une image tout ce que était difficilement lisible et difficilement à traduire verbalement. Et ça m'a vraiment aidé.
Je pense d'ailleurs que c'est la tragédie de beaucoup d'artistes, et inclusif moi, c'est quand on devient soi-même des spécialistes sur son propre langage, qui se développe un certain super-ego, qui peut être très dangereux, et où l'artiste se connaît trop bien. Enfin, pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas, mais c'est... Donc, et c'est peut-être pour ça aussi que j'essaye de ne pas me profiler comme quelqu'un de très créatif et que j'approprie des choses déjà existantes. Ça fait un peu partie d'ailleurs de ce que je disais tout à l'heure avec cette génération milieu des années 90, qui fait le contraire de tous ces génies en peinture. Qui ne veut pas être des génies, qui veut être des gens qui s'approprient un monde déjà existant. C'est tellement libérant de ne pas avoir une sorte de responsabilité de base, mais de devenir après l'histoire. D'ailleurs, on est tous comme ça aujourd'hui. Je voudrais regarder l'autre pièce qui appartient à la collection ici, parce qu'elle pose des questions justement un petit peu différentes de celles qu'on vient de voir, et elle est tout à fait magistrale. Elle a été montrée ici il y a 3 ans. Là, le processus de fabrication est différent. Hein. Oui. Tout est reconstitué. Tu ne pars pas d'une image existante ou préexistante. Non. Tout est reconstitué en studio. Il y a 50 000 vues qui sont, au fond, le stock d'images que tu utilises. Tu l'as réduit à 500 et puis tu fais un montage. En fait, ça, il faut revenir sur la question du montage. Est-ce qu'on peut voir quelques images de ça ? Oui, certainement. Mais ce qui est extrêmement frappant dans cette œuvre, et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve d'une manière quasiment systématique dans ton travail, c'est sa fluidité. Hein, il y a une sorte chez toi de liquidité du visible qui est tout à fait passionnante, impressionnante, et qui fait que vraiment chaque fois le film, alors est-ce qu'on peut parler de film, ça c'est aussi une question à regarder de près, mais ce qui est exposé, en tout cas ce qui est projeté, est véritablement fluide, liquide. On a vraiment devant soi un objet temporel qui coule, qui s'écoule, hein, ça c'est une donnée. Alors on se dit, cet objet temporel qui s'écoule, il est le fruit d'un montage savamment dosé, savamment maîtrisé, savamment opéré. Or, à ma grande surprise, j'ai découvert que la question du montage n'était pas une question essentielle chez toi. Si on regarde un tout petit peu l'histoire du cinéma, le montage a toujours été déifié, hypostasié. Deleuze dit que le montage c'est l'élément essentiel du cinéma. Il parle même de montage roi. On connaît l'importance du montage chez Bresson, chez Godard, chez Tarkovsky, et aujourd'hui chez des artistes comme Christian Marclay, par exemple. Hein. Mais toi, le montage, tu ne lui donnes pas du tout le premier rôle, loin de là. Au point que cette œuvre extrêmement fluide, donc a priori extrêmement montée, qui repose sur 500 vues, tu as mis un jour pour la construire, hein, c'est-à-dire pour relier les images les unes aux autres. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer justement sur cette idée du montage si peu important pour toi ? Oui, c'est grosso modo correct ce que tu dis. D'un jour, le montage même des images est en effet fait en un jour. La production de la pièce, bon, c'est un mot un peu prétentieux, produire, faire la pièce, ça a pris à peu près 1 an et demi. Et c'était légèrement dit dans une série, mais c'est qu'il n'y a pas une série, justement accumulation d'expériences. Qui a commencé avec Sections of a Happy Moment, ensuite continué avec Arena, et ensuite celle-ci, et ça continue dans 2 autres pièces. Mais je vais vous un peu montrer dans la cuisine de chez moi, comment je cuisine. Déjà l'expérience d'une pièce que j'avais commencé en 2005, Sections of a Happy Moment, qui était une histoire sur une famille chinoise, un portrait d'une famille chinoise devant des bâtiments sociaux. Et
cette accumulation d'expérience m'avait donné l'idée de faire un pas de plus, et c'est d'inclure un élément qui est complètement non contrôlable, c'est les oiseaux. Algier Sections of a Happy Moment, l'élément clé, c'est les oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi une définition très accessible de mouvement. C'est l'index du mouvement. C'est un oiseau qui est dans le ciel, ce sera toujours un instant d'une seconde. Et donc, il y avait comme ça plusieurs choses qui me fascinaient à travailler avec ça. J'ai commencé à chercher un lieu qui était un lieu soit en Égypte, à Caïro, mais finalement qui est devenu un lieu dans le Casbah d'Algiers. Et quelqu'un m'avait trouvé, qui faisait des recherches pour moi, qui m'avait trouvé cette pièce de football, ce petit terrain de football où des jeunes vont jouer, et qu'ils ont improvisé comme ça derrière eux un cloisonnement qui en même temps ça pourrait être une prison aussi, mais qui n'en est pas un évidemment, ça sert au ballon de ne pas s'échapper. Et puis donc j'ai fait un plan pour mettre des caméras partout autour des toits. Et ce qui était très important pour moi, c'était aussi de pouvoir photographier dans l'eau. Parce que les oiseaux, je voulais en faire un élément de contrôle. Un élément comme si c'était Dieu, non pas Dieu, mais le chef, ou le militaire, qui contrôle en fait tout ce qui se passe en dessous. Et pour moi, ça me faisait penser au regard que l'occidental a vers the westerner, on dit ça comme ça, sur les immigrés. Toujours, c'est de contrôler, de voir s'ils vont rien voler, si ça devient pas chose peu suspect. Le suspect, là, on est de nouveau dans la culture du suspect, où j'essaie systématiquement de libérer ça. Et donc les jeunes petits voyous, comme on peut dire ça en français, ils devenaient mon sujet. Et les oiseaux devenaient l'élément de contrôle. Et c'est pour ça que le Casbah d'Algiers, ça n'a pas d'autre raison que ça en fait, servait bien, parce qu'il y avait beaucoup de maisons autour et en haut, et en bas en plus. Donc ça, c'est des images très techniques, des triangulations, je pense qu'on appelle ça. Pour ensuite dans la studio pouvoir continuer. Ça, c'est une image de studio où j'ai invité une personne. Ce monsieur-là, ce n'est pas un acteur, c'est un monsieur qui a un restaurant marocain à côté, mais qui est très beau et qui est le personnage principal dans Algiers, qui donne une pièce de pain à manger à une mouette, oui. Mais la mouette, elle est déguisée. C'est une, it's a pigeon, a white pigeon. Mais je pouvais pas utiliser de pigeon blanc parce que ce serait un poids énorme symbolique. Donc les mouettes, c'était le second best. Mais il y avait une autre raison pour les mouettes. Les mouettes ont les yeux très agressifs. Et très clair, et ça peut faire peur, les mouettes, ça peut effectivement aussi attaquer. Et donc, ça, c'est la première mise ensemble de cinq caractères qui, en fait, en réalité, n'ont rien à voir. Ils se connaissent pas. C'est fait tout, est fait devant un écran bleu, sauf évidemment l'architecture et les oiseaux. Les oiseaux, d'ailleurs, c'est une collection de 4000 images que j'ai faites en hiver à la plage, où il y a beaucoup de mouettes, pendant des journées ensoleillées avec un beau ciel bleu, pour ensuite facilement pouvoir ça, c'est des techniques digitales simples. Hein. Et là, on voit un garçon, c'est un de mes voisins.
et le résultat. Donc toutes ces corrélations entre la lumière, ces garçons et les mouettes, c'est entièrement figé. Mais je dois avouer que c'est vraiment fait sans storyboard. Donc c'est un peu le côté un peu fou parfois, c'est que je n'ai pas de storyboard en tête. D'ailleurs, mes assistants me reprochent toujours ça, qu'à la fin, je ne sais toujours pas qu'est-ce que je veux exactement. Et donc l'histoire se forme pendant la production. C'est un peu paradoxal avec tout le travail. Mais je suis un amoureux du travail. J'aime travailler longtemps parce que je trouve que le travail, il coûte cher. Et de montrer en temps réel que le travail n'a pas coûté cher, mais qu'il a été en abondance, je trouve que c'est important. Parce que c'est le contraire de l'efficacité. C'est un peu un travail d'amour au lieu d'un travail d'efficacité. Hein, c'est des images de mouettes. Et puis, sélection des mouettes. Et évidemment, cette façon de travailler, ça permet d'inventer des histoires un peu impossibles, comme les mouettes. J'appelle ça les mouettes arrogantes, ils ne prennent pas l'effort de voler, mais ils se posent devant les caractères. Et ça, c'est une image. Donc, ça, c'est le montage dont tu parlais. Un jour. Ça, c'est vraiment du montage. Et ça, c'est... quand je suis venu au moment du montage, je suis déjà tellement épuisé de toute cette production que je ne veux même pas prendre beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que je... Mais ce qu'il faut peut-être dire, pour compléter tout ce que tu viens d'expliquer, c'est que la scène qui est exposée un peu comme un slideshow dure une seconde. Et l'œuvre, c'est au fond la tentative d'épuisement de cette seconde. C'est-à-dire la tentative de rendre compte, l'impossible tentative de rendre compte d'une seconde de la vie des hommes. Hein. C'est un projet, de ce point de vue-là, aussi tout à fait passionnant, et qui comporte une partie sonore, chose qui est plutôt rare dans ton travail. Si j'ai bonne mémoire, c'est une des rares pièces donc sonorisées, hein, pour laquelle tu as commandé la musique. Oui. Alors, est-ce que tu peux justement nous dire pourquoi il y a cette musique-là, pourquoi elle a été commandée, et quel statut tu donnes justement au son, à la musique dans les pièces qui sont sonorisées ? Donc, les composants les plus importants, c'est évidemment ce regard suspect et qui est contrebalancé par un regard complètement innocent d'un événement qui n'a rien de spécial et qui est même un événement heureux. C'est d'ailleurs, vous essayez de faire un film sur le bonheur, c'est très difficile. Et je voulais que ce soit un ping-pong entre ce regard de contrôle. Que je trouve, qui est toujours le regard de ce qu'on appelle le regard du big other, le grand autre. Dans la psychanalyse, on appelle ça le regard du grand autre. C'est tout ce qu'on suppose qui est plus grand, mais qu'on ne sait pas. C'est un élément d'inspection qui peut vous corriger à n'importe quel moment. Et le contraire de ça, c'est de ne rien avoir à cacher, d'être content entre soi dans un petit groupe sans rien faire de mal ou de suspect. Et évidemment, il fallait pour ça une forme. Et l'instant bénéficie d'une chose capitale, c'est qu'il ne peut plus jamais évoluer. Il sera toujours un instant. Donc c'est ça ce que nous a appris la photographie essentiellement, c'est que il ne changera jamais de caractère. Et la continuité par le montage d'images de cet instant
où, au fond de ça, n'évolue rien, mais quand même, la durée même, elle ne peut pas prévenir que dans toi, comme spectateur, il y a quelque chose qui évolue. Et même si ce n'était que l'expérience que toi, comme spectateur, que tu as, tu sais mieux lire l'image, tu sais mieux ce qui se passe. Tu peux même contrôler l'image mieux qu'au début du film. Donc tu accumules un certain pouvoir sur l'image. Et ça déjà en soi, c'est une transformation. Donc la durée même, elle fait son propre montage, si vous voulez. Et le son dans Alger Sections of a Happy Moment, il est c'est un peu un cheap trick, c'est un peu une solution bête. Pour d'ailleurs, c'est souvent dans le cinéma, c'est la musique, c'est la solution bête, non? C'est quand on ne sait pas comment faire pleurer, on met de la musique. Maintenant, j'exagère un petit peu, mais je voulais vraiment qu'elle ait une fonction de base, presque aussi bête que, disons, tous ces films de vacances qu'on ait produits sur l'ordinateur, où on met en séquence des images qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ah oui, mais on a trouvé encore une chanson de Abba. Ça correspond à cette époque, ce sentiment, on le met cette chanson, hop, on a une continuité. Et je voulais que cette continuité ait aussi ce caractère un peu gratuit. Non, pas un peu, mais tout à fait gratuit. Qu'il n'y ait pas de haut et bas dans l'émotion. Et c'est ça ce qui est important, ne pas avoir une émotion, pas avoir un climax. Je trouve tout à fait vraiment fascinant de regarder ce que tu appelles ta cuisine, hein, dans le montage des films, parce que je pense qu'il s'agit de films. D'abord, je pense qu'il y a vraiment une question de montage, hein, puisque en fait, pour Eisenstein, le montage, ça commence à l'intérieur du cadre, à l'intérieur de l'image. Et je pense que l'image est entièrement montée. Enfin, c'est le cas de l'Algiers Piece. Elle est, oui, c'est peut-être un autre, enfin on peut appeler, il s'agit, c'est une question de définition, hein, mais je pense qu'il y a un travail de montage. Je pense, tu demandais si c'était des films tout à l'heure. Je pense que si on revient à l'étymologie du mot film, oui, ce sont des films. Les films, c'est la pellicule qui se forme à la surface du lait quand elle est en train de sécher. Et la manière dont tu décrivais Oil Workers au début, avec le rapport entre l'eau et la boue, je pense que c'est une manière de montrer la texture même de la constitution du film. Et dans cette matière qui est en train de sécher, qui est entre le liquide et le solide, il n'y a plus que des figures sans intériorité qui apparaissent, c'est-à-dire des zombies. Et ces figures, c'est absolument fascinant de voir comment tu construis entièrement ces figures qui ont l'apparence de la réalité, mais qui ne renvoient à aucune intériorité. Et c'est probablement, dans ton texte, tu cites la manière dont Maxime Gorky a vu les premières images de cinéma, et disait, on est au royaume des ombres, je n'ai vu que de la grisaille. Et c'est une expérience morbide, très insolite, qu'il fait quand il voit les premières images. Et peut-être le gris, le travail sur la gamme des gris dans tes pièces, qui sont souvent des pièces grises, et qui vont vers la disparition, enfin, là, Thierry pourrait en parler plus que moi, elles ont à voir avec cette expérience qui a été l'expérience primitive du cinéma. Et là, dans Alger's Piece, on voit apparaître les ombres. Alors, les ombres des corps, qu'est-ce que c'est, hein? C'est dans la peinture, le signe de la... Enfin, dans Dante, hein, c'est le signe, quand les corps ont des ombres, ça veut dire qu'ils sont réels. Alors, qu'est-ce que c'est que le statut de ces ombres qui apparaissent dans tes films? Et ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sans qu'il y ait de fétichisme de la technologie chez toi, la technologie ne te fait pas peur. Et tu ne la déifies pas, mais tu ne la fuis pas non plus. Le fait d'utiliser des ombres, c'est un geste tout à fait archaïsant, au fond, pas dans le mauvais sens du terme. Et tu utilises les ombres avec une technologie qui est extrêmement contemporaine, justement parce que il semblerait quand même que tu veuilles rendre, au fond, l'œuvre actuelle
proche de ses ancêtres, c'est-à-dire proche des premières images du cinéma, ce que disait Philippe Alain. Cette conjonction des temporalités, l'extrême contemporain, l'archaïque, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans ton travail, et ça c'est tout à fait passionnant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'anachronisme constant dans ce que tu filmes, enfin, dans ce que tu donnes à voir, dans ce que tu exposes. Je dois avouer qu'au début, quand j'ai commencé avec les premières animations simples comme Rurlo et Kindergarten, au milieu des années 90, je connaissais les frères Lumière, par exemple, mais je n'étais pas vraiment conscient du cinéma primitif comme étant une fascination de base. Donc j'ai dû redécouvrir ça moi-même. Et moi, à l'époque, j'ai fait ça dans des... c'est probablement mon origine de dessinateur, graphiste et peintre, c'est que je savais distinguer facilement entre l'arrière-plan et l'avant-plan. Et que je disais, bon, le cinéma contemporain, disons, du dernier demi-siècle, c'est une histoire de l'avant-plan. C'est l'avant-plan et la littérature. Ça mène nécessairement à la nervosité, parce que c'est fondé dans une idée de réalisme. Et je me intéressais toujours aux témoins, aux éléments de témoins, qui ne sont pas... c'est un peu le contraire de l'acteur. L'acteur joue et performe, même si l'acteur est une image abstraite, mais le témoin, il est tout simplement présent dans l'image. C'est un peu la fascination du lait ou de l'arrière-plan dans le repas de bébé, où les arbres bougent, et que c'était considéré, non, on ne sait pas comment c'était considéré, mais on pense que c'était considéré comme l'index de la vie même. De l'animation. C'est un des moments rares, primitifs, où la vie coïncide avec l'animation même. Qui est un peu l'amour fondamental pour l'animation, pour l'idée de donner de la vie à une image. Mais il y a des pièces de 1996 et 1997, Orlo, Boom, où tu as filmé précisément le mouvement des feuilles des arbres. Mais en fait, on sait très bien qu'au début du cinéma, autour de 1897, les spectateurs, ce que regardaient les spectateurs, ce n'est pas les avant-plans, c'est les arrière-plans. Ils regardaient comment ça bougeait, comment les arbres bougeaient à l'arrière-plan. Ce qui veut dire que le regard, il n'était pas du tout focalisé sur le premier plan, il fonctionnait pas du tout sur le schéma de la perspective à point de fuite. C'était pas du tout ça. C'est une chose qui est apparue en fait avec le travail sur la profondeur de champ. J'ai l'impression qu'avec les moyens du numérique, on retrouve cette défocalisation du regard qui fonctionne plus sur un principe de perspective perspective atmosphérique. Et puisque dans l'image numérique, il y a une sorte de frontalité généralisée de l'image. Oui. C'est pour ça que j'ai l'impression que non seulement tu te sers des moyens du numérique, mais en plus ton œuvre, elle permet de comprendre ce que c'est que ce nouveau régime d'image en s'appuyant sur des régimes d'image antérieurs, sur l'expérience du premier cinéma, probablement aussi sur l'expérience de la peinture. Ça, Thierry on a très bien parlé du rapport avec la peinture, avec les Vedoutés, notamment ton travail photographique sur les Vedoutés vénitiennes. Oui, je vais le retrouver tout à l'heure. Mais ce que tu dis me fait penser à une... en fait, quand on regarde à l'histoire du cinéma, enfin, je ne dis pas ça comme expert, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai souvent l'impression que ça correspond à la culture d'industrialisation et du moteur à combustion interne. C'est-à-dire que très, très vite après l'invention du mécanisme de cinéma, j'ai l'impression que le cinéma est instrumentalisé comme un outil de choc
qui est essentiellement la même chose qu'un moteur à essence, c'est créer l'énergie par le conflit et par la combustion. Quand le digital arrive, en fait, le digital, c'est un désir, je pense, très profond et qui a été très bien préparé. Pour moi, elle permet de redécouvrir la surface. Et j'ai souvent, c'est un peu, je vois ça un peu comme le contraire du conflit, du choc et de ce qui est tout est combustion et ce qui est explosion, etc. J'ai toujours vu la projection ou l'image comme quelque chose qu'on pourrait caresser. Et c'est pour ça d'ailleurs que le digital, je l'emploie de cette façon aussi. Et non pas comme quelque chose de... La profondeur, elle est différente, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans la perspective, ni dans la succession, ni dans le montage, ni dans le plot. Si elle est, dans certaines pièces, c'est juste pour faire un détour, pour arriver ailleurs, en fait. Est-ce qu'on pourrait regarder tes premières images, au fond, tes toutes premières images qui ont pour sujet Venise, justement? J'ai essayé de trouver. Mais je pense que ce qu'il n'y a pas dans ton travail, il y a du montage dans ton travail, ce qu'il n'y a pas, c'est le champ contre champ. C'est remplacé par une dégradation insensible entre les différents états de l'image. Donc en fait, c'est la rhétorique du montage entre les plans qui disparaît. Mais le montage à l'intérieur du plan, il existe. Je pense aussi que la culture de l'objectif, donc de la lentille, non, lentille, c'est pas toujours incorrect, de lens, et l'objectif, c'est un regard de pouvoir aussi. Hein. C'est un regard, c'est une fenêtre, ça crée une fenêtre, c'est une fenêtre sur laquelle on a une vue sur quelque chose. Et c'est toujours, c'est comme on dit dans la cartographie, ceux qui font la cartographie, c'est ceux qui ont le pouvoir, mais dans ceux qui font les images, c'est aussi ceux qui ont le pouvoir. Et je pense que cette culture se dissout de petit en petit. Et je dis toujours, quand j'ai un peu trop bu, mais pas maintenant, que, donc je ne sais pas si j'ose dire, qu'on retourne vers une sorte de culture de pictorialisme pur. Ça ne sera certainement pas comme ça, mais où l'objectif va disparaître, où on va parler d'image comme idée, purement comme idée. C'est ce qui se passe déjà quand on, très concrètement, sur le champ de production de cinéma, on commence déjà à négocier comment on va faire disparaître l'acteur, comment on va utiliser des scans, et comment on va... En fait, la prévisualisation va évoluer en produit final. Hein. C'est d'ailleurs la culture du jeu, du gaming, etc. Ils sont déjà très loin là-dedans. Et je pense que donc l'objectif, il ne sera plus qu'un concept. Ça, c'est Kattenberg, ça, c'est Baum, ça, c'est Rurlot, c'était un des premiers. C'est les deux films, Baum et Rurlot, les arbres. Oui, oui. C'était naïf en plusieurs sens. Au tout début, là, on parlait de la question de l'attention, de la perception, de l'imperceptibilité, de l'inattention, dans ce genre entre... la lucidité et l'attention flottante au fond, mais voilà une œuvre près de laquelle on pourrait passer sans s'apercevoir du travail que tu as fait à l'image, c'est-à-dire que le bruissement de l'arbre, on pourrait très bien ne pas le remarquer. Toi, tu laisses le spectateur libre de circuler, de regarder ou de ne pas regarder. C'est une œuvre extrêmement, j'allais dire, démocratique, en tout cas, qui est très libératrice, hein, et qui fait aussi une grande confiance en l'humain, en le sujet,
puisque tu lui proposes quelque chose et tu as confiance en lui pour qu'il remarque quelque chose qui est à peine perceptible, justement. Donc dans cette pédagogie de la perception ou de l'imperceptibilité, de l'attention ou de l'inattention, il y a vraiment une grande générosité, je trouve, de ta part, une grande confiance en le regardeur. Je pense que ça coïncide un peu à l'époque, au milieu des années 90, où l'image projetée se libère de nouveau, peut-être on pourrait dire la deuxième fois, dans le musée, ou dans l'espace, ce que j'appelle le musée, c'est l'espace du flâneur, c'est un espace où on peut bouger libérément, et où que cette photographie en noir et blanc d'une époque lointaine devient un tableau. Mais ça, c'est un statement un peu risqué parce que entre le mouvement image et le tableau, il y a beaucoup de différences. C'est prétentieux de dire que ce soit des peintures aussi, j'aime pas tellement cette idée. Mais ce que je retiens de ça, c'est qu'à cette époque-là, on commence à pouvoir projeter facilement sur les murs des galeries et des musées. Et je pense que c'était une période de libération, quelque part, où l'espace cinéma se dirige vers l'espace muséal, et que ce contrat de cinéma, il disparaît, il n'est plus nécessaire, parce qu'on n'a pas l'espace noir, on n'a pas les banques, on n'a pas, comme ici, le dispositif qu'on a ici, on est assis et on regarde. On est libre de flâner. Et pour moi, quand je pense à cette liberté, en même temps, ça veut aussi dire que je ne vous veux pas. Peut-être vous ne voulez rien de moi comme tableau, mais peut-être je ne veux rien de vous comme étant spectateur. Et donc, c'est une sorte d'idée libérale, hein, on n'a pas vraiment besoin de nous deux. Moi, je suis là comme tableau, vous êtes là comme spectateur, mais si vous voulez, entrez. Et ça, c'est une différence avec le montage dans documentaire ou dans des films d'artistes politiques ou pseudo-politiques, où tu as besoin de t'asseoir et de rester jusqu'à la fin pour comprendre le narratif. Et ça, j'en voulais vraiment pas. Quelquefois, tu sollicites le spectateur de manière plus active. Par exemple, il y a eu des pièces, tu as fait des pièces interactives avec des capteurs de présence qui déclenchent quelque chose dans l'image. Donc c'était une façon de lier plus intimement l'image et puis l'image projetée et puis le spectateur. Ou alors quand tu utilises les systèmes de casque aussi, c'est une manière de capter l'attention du spectateur, de l'immobiliser, hein, puisque pour porter un casque, il faut être immobile. Il y a eu toute une génération qui a essayé et réussi, dans certains cas, de, est-ce qu'on peut dire, sensorialiser le regard, soit en vidéosculpture ou en autre chose, en plusieurs. Et je pense que je fais partie d'une génération qui est désillusionné dans ça, qui ne croit pas dans ça, mais qui ne veut pas abandonner le sensoriel, mais plutôt comme mémoire. C'est pour ça que j'ai parlé du temps biologique au début. C'est les quelques outils dont nous, les producteurs d'images, ont encore un certain pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut créer des dispositifs où on rappelle des choses très concrètes, soit dans le son, soit dans la mémoire, soit dans le vent ou dans le soleil, ou dans des phénomènes très basiques qu'expérience l'être humain. Et ça a ses limites aussi, parce que ça ne permet pas vraiment d'entrer dans une certaine histoire spécifique. Ça sera toujours des histoires plutôt générales.
semble que Bordopi, c'est une très belle illustration de ce rapport des différentes temporalités qui se rencontrent. Kant faisait une distinction assez utile entre ce qu'il appelle le cours du temps et l'ordre du temps. Et le cours du temps, c'est la manière dont on perçoit le déroulement du temps, et l'ordre du temps, c'est la succession des causes et des effets. Donc c'est le mouvement, le flux du temps numérique qui rencontre le temps perceptif du spectateur qui est à l'intérieur de l'espace, qui peut entendre les dialogues quand il met le casque, oui. Et quand il enlève le casque, il est à l'intérieur de l'espace naturel qui correspond à ce qui est montré dans les images, qui est l'espace ambiant en fait, oui. du film. Oui. Oui, Bordopi, c'était un peu un projet de exhaustion, comment on dit ça, d'épuisement, pour donner à l'arrière-plan, l'avant-plan en fait, hein, et de se rendre compte de ce que c'est le passage du temps. Hein. Il faut peut-être expliquer comment le film est fait. Bordopi s'est fait en à peu près 75 courts-métrages qui ressemblent être un court-métrage. Donc on a l'impression de voir des répétitions d'un court-métrage, mais en fait c'est à chaque fois un nouveau film qui est filmé, il dure à peu près 11 minutes, et à chaque fois il est filmé à 11 minutes plus tard dans la journée. Donc la lumière change un tout petit peu, presque imperceptible. Mais l'idée, c'était quand je vois ce film à midi, et je reviens le soir et je le revois à 5 heures, je vois la même histoire, qui est toujours aussi ennuyante, mais la lumière et le temps a vécu avec mon propre temps comme être humain. Et c'était un peu ça, oui. Il y a la succession mécanique des séquences, oui. Qui répètent les mêmes dialogues, et puis l'écoulement du temps avec la lumière qui change imperceptiblement. Donc je pense que là, on a vraiment quelque chose comme cette opposition entre le cours du temps et l'ordre du temps. Oui. Et au fond, c'est un cadran solaire, parce que si on était capable de regarder 14 heures de diffusion de ce film, on suivrait la course du soleil, donc c'est... Oui. Et j'ai pensé, suivant et peut-être en concluant sur ce qu'on a dit, de vous parler un petit peu de quelque chose que j'ai commencé à travailler dessus. Ça, ce que vous lisez là, c'est le titre. Et les 1000 ans, The Course of a Thousand Years, ce n'est pas une erreur, ce sera effectivement une partie intégrale de la pièce. Olympia Stadium, real-time disintegration of the Berlin Olympia Stadium over the course of a thousand years. Ce ne sera pas un film, évidemment, il n'y a pas un film de 1000 ans, mais ce sera un programme d'ordinateur qui va... c'est un peu la continuation de Bordopi, mais en excessif. Qui va couler en synchronisation avec le temps réel à Berlin et la météo réelle à Berlin, et qui va progresser pendant 1000 ans sans intervention humaine. C'est, évidemment, il y a un aspect ironique un peu, surtout quand on connaît les recherches que faisaient les architectes du Troisième Reich, sur la ruine et la fascination de dessiner, de développer les bâtiments qui devaient encore être construits à l'envers, en rêvant de leur ruine d'abord et en essayant de s'imaginer comment elles seraient en ruine pendant 1000 ans, ce qui est l'ultime beauté d'un bâtiment. Et ça m'a donné l'idée de créer en temps réel une sorte de vengeance sur des idéologies prétentieuses comme
des idéologies, comment essayer de construire en 3-4 ans un bâtiment ou un royaume qui va durer 1000 ans. C'est ça toujours l'ironie dans le modernisme et dans les idéologies explosives du moderne, de cette prétention de penser qu'en 4 ans, on va pouvoir construire quelque chose qui va rester une éternité. Et donc, le projet est simple. Il consiste en un mouvement elliptique autour du stade olympique, qui est, grosso modo, c'est à peu près 180 piliers identiques qui ont été faits avec une précision et avec une identique qui me fait penser au digital. C'est le 1 et le 0 et le 1 et le 0, c'est des répétitions à l'infini. C'est un bâtiment qui a été fait comme un algorithme, et avec l'idée qu'on se perd dedans et qu'on ne soit pas nécessairement convaincu de la grandeur de l'Empire, mais qu'on n'ait même pas le choix d'être convaincu, qu'on est absorbé dedans. Et évidemment, c'est une architecture qui est extrêmement photogène, qui a prouvé d'ailleurs Leni Riefenstahl et son équipe, et qui fascine à aujourd'hui. Et la seule raison pour laquelle ça n'a pas été bombardé, c'est que c'était en dehors de Berlin. Et ça n'avait pas d'importance stratégique. Mais en fait, c'est un bâtiment qui est très fragile et qui va se désintégrer facilement. Et à ce moment-là, je suis en train de faire des études scientifiques. Moi, je ne suis pas capable de faire des études scientifiques, mais je parle à des gens qui sont des experts en matériaux et en architecture et en biologie, pour voir comment est-ce que la nature va approprier l'architecture. Combien de dizaines d'années ça va prendre avant que les arbres soient au milieu du stade olympique. Et quand est-ce que les premières plaques en marbre vont commencer à tomber? Qu'est-ce qu'il y a en acier? Parce que l'acier, c'est très mauvais pour l'éternité. L'acier, c'est fait pour vite s'évaporer. Et donc, c'est un projet qui est partiellement scientifique, pseudo-scientifique, si vous voulez, mais quand même très profond. L'étude sera menée très rigoureux. Et mon équipe, ma studio, va programmer 50 ans. On n'est pas capable de programmer, ou je suppose qu'on n'est pas capable de programmer plus que 50 ans, parce que, tout simplement, on ne sait pas, c'est très difficile de deviner. 50 ans, c'est faisable. Et j'ai ici un modèle de... Là, on voit... Ça, par exemple, ça n'a pas été soigné pendant une dizaine d'années. Ça non plus... Ça a été usé. Donc, ce sera plein de petits détails comme ça qui vont petit à petit vaincre cette photographie monumentale. Parce que ce sera une photographie qui va carrément collaborer avec la grandeur de l'Empire et de l'image de cette... Donc... Et ça, c'est une simulation très, 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 très basique. Où est-ce que j'ai... Ah oui. Du bâtiment. Donc, ce sera une constante elliptique, mouvement elliptique qui va durer une demi-heure exacte par mouvement. Et qui, pour moi, est un peu comme ce qui rassemble l'adoration pour l'algorithme et le digital qui est déjà annoncé dans ce bâtiment, avec la grandeur et la prétention aussi, et en même temps la vengeance subtile du temps. Mais le but ultime de cette pièce n'est rien d'autre que de faire sentir aux spectateurs comment petit et minable est notre temps biologique par rapport aux grandes idées. et voilà. En fait, tu arrives à faire une pièce qui dure 1000 ans et qui reste une pièce politique.
Oui, elle ne peut pas être autre chose qu'un peu controversielle parce que dans le game, dans le jeu que je produis, je fais la même erreur que faisaient les architectes du Troisième Reich. C'est que je pense que très vite, en une production d'un an ou deux, je peux faire un projet d'une éternité. Et je veux rien d'autre que donner forme à ça. Donc on ne verra jamais rien changer dans cette pièce, sauf le soleil qui bouge. Voilà, c'est ce qui m'occupe pour l'instant, un peu. Peut-être on peut demander au public s'il y a des questions. Que vous pouvez poser en italien. Je comprends que vous... Ah oui, au moins. Io volevo chiedere a David che rapporto ha col suo archivio e qual è il bisogno che la spinge ogni volta a recarsi nelle biblioteche alla ricerca di immagini che poi comunque la porta a trovarne delle altre. Scusa, non parlo molto bene e non capisco molto bene l'italiano. Non l'ho capito. Allora, volevo chiedere che rapporto ha col suo archivio. Cioè, nel senso, è un archivio del tipo enciclopedico, un archivio più alla Abi Walburg, no? Una cosa più organica. E poi qual è il bisogno che la spinge a recarsi nelle biblioteche? Sicuramente a cercare qualcosa. Io vado, per esempio, in biblioteca quando voglio cercare qualcosa, però poi ne trovo delle altre. Cioè, qual è questo bisogno? Donc, grosso modo, la question est pourquoi je vais dans les bibliothèques. Est-ce que c'est quelque chose d'organique, sans but précis, ou est-ce qu'il y a un but de recherche précise? Donc, c'est exactement ça, c'est le contraire d'une recherche précise. C'est essayer de me perdre dans une bibliothèque, ce qui est très facile, et de ne pas avoir un système et de collectionner de façon organique, en effet. Donc, c'est une façon de méditer, hein, c'est une façon de se libérer la tête. C'est un peu le contraire de s'approfondir. C'est le contraire de s'approfondir dans un sujet. C'est un peu comme le chasseur qui ne chasse pas, mais qui attend Voilà, le gibier passe devant lui. C'est un peu ça. Parfois, je remarque que je commence à lire. Et chaque fois que je commence à lire, je me dis, oh, il faut arrêter, fermer le livre. Très souvent, d'ailleurs. Je lis quand je suis fatigué, et quand je ne suis pas fatigué, je observe. Oui. Mais une fois que ton archive est constituée, est-ce que tu la regardes à nouveau? Est-ce que tu te plonges dedans régulièrement? Oui. Maintenant, je fais un sorte de Facebook avec des likes dans mon propre archive. Donc, on connaît autre chose que des likes. Hein, ça n'existe pas, ça. On connaît ce que ça. Et j'en ai des millions des images. Et je suis en train de faire une catégorisation en trois.
Donc, un est yes, et l'autre est so, et l'autre est no. Et donc, c'est les trois catégories. Et les no, c'est les malheureux qui sont à jamais considérés comme non intéressants. Et les yes, c'est peut-être il va se passer quelque chose avec ça. Donc, il y a quand même une certaine catégorisation aujourd'hui. Mais je dois dire que c'est très difficile de chercher sur l'Internet par rapport à la recherche ou non-recherche dans les librairies. Je ne sais pas exactement pourquoi. On en a parlé cet après-midi. Mais il doit y avoir quelque chose dans... évidemment, dans la librairie, tout est déjà catégorisé. Sur l'Internet aussi, mais j'ai toujours le sentiment que le Big Other, le grand autre, veut que... c'est donc l'algorithme, le grand dieu de l'Internet, hein, le grand algorithme, il pense savoir ce que je veux voir. Et donc, je suis un peu paranoïa quand je fais des recherches sur l'Internet. Et comme tout le monde, on connaît tout ça quand on fait des recherches sur Google, on a nos méthodes d'essayer de contrarier ce grand autre, the big other, en faisant des combinaisons de recherches par mots bizarres parfois ou différentes. Mais le fait reste que quand on cherche sur l'Internet, on cherche par des mots et par le langage. Et donc que Dieu, Internet, utilise ça pour vous donner des réponses. Ça me donne un peu, ça me rend un peu mal à l'aise parfois. Sur l'Internet, tu es dans un monde où tout a une certaine adresse, une adresse IP. On pourrait dire que ça apparaît, ça disparaît, et ça, c'est fluide, néolibéral, blablabla. Mais en fait, ça a tous une adresse assez spécifique sur l'Internet. Et l'idée, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la librairie conventionnelle, qui avant avait ce rôle-là, aujourd'hui, pour moi, elle ne l'a plus. Elle est comme flâneur, je me comporte comme un flâneur, elle est devenue un système organique parce qu'elle est un ancien système qui, pour moi, ne fonctionne plus. La bibliothèque, oui. Et pourquoi ? Parce qu'elle est numérisée ? Parce qu'elle est, en fait, c'est beaucoup plus efficace d'aller lire sur l'Internet des choses. La bibliothèque, c'est plus lent, c'est plus... Il y a aussi une mémoire dans la bibliothèque qui n'y a pas sur l'Internet. Ton travail, il est très lié à la question de la mémoire aussi. Oui, la mémoire sur l'Internet, c'est l'algorithme de nouveau. Hein, Alors, je voudrais revenir à la première image et vous demander, parce que je trouve, j'ai un sentiment de... Je suis un peu déroutée par quelque chose que je ne comprends pas et qui a été produit à moi, même si vous ne voulez pas capter mon attention et me dérouter, quand même, je n'explique pas et je me pose pourquoi j'ai ce sentiment-là. Alors, l'image, elle me semble construite. J'explique pourquoi. Vous avez parlé de la fluidité de l'eau qui passe, qui bouge, le mouvement, tandis que les personnages sont immobiles et regardent vers nous. Il n'y en a que quelques-uns qui regardent du côté du mouvement de l'eau. Qui va à gauche. Alors, quelques personnages qui sont sur la moto regardent à gauche. Mais ce qui je n'explique pas, c'est les personnages de l'arrière-plan qui regardent vers nous. Et donc, je me sens fixée par eux, je me sens impliquée. Et je
voudrais savoir si ça évolue ou ce qui donne l'idée de construction. C'est aussi, comme vous avez dit pour d'autres, d'autres images, l'avant-plan et l'arrière-plan. Là aussi, il y a deux plans. L'un qui est mobile parce que les motos sont l'une en fil indienne et bougent même si elles sont immobiles. Et la regard des personnages sont tournés ailleurs. Et les autres sont immobiles et qui donc ils construisent une architecture qui prend forme dans la. De l'architecture qui sont les pilotis et l'autoroute qui passe au-dessus. Alors, est-ce qu'il y a une volonté, alors je trouve des souvenirs ou des mémoires de construction, comme vous construisez quand vous prenez le point de fuite pour les photos de l'aire de jeu En fait, c'est une perception que l'arrière-plan il est immobile et il est fixe. C'est une perception parce que tout a été entièrement fait dans le même espace virtuel, oui. en 3D. Mais évidemment, il y a cette situation bizarre avec cette caméra qui petit à petit voyage dans ce lieu-là et aucun des personnages est mobile par rapport à la caméra. C'est la suit, aucun des personnages la suit, mais continue à regarder de la même façon devant. Oui, il n'y a qu'un endroit qui est gardé pendant une minute à peu près dans le film, où tous les personnages regardent droit devant dans la caméra. C'est une sorte de une rencontre. Et je pense que je fais toujours ça, j'essaye de mener sans aucun conflit, sans aucun choc des différentes situations sur une surface. On est de nouveau sur la surface, en fait, la discussion de la surface, où différents mondes se rencontrent. Et l'image en still pendant une minute, elle continue imperceptiblement vers une image qui est une image en mouvement ou en 3D. Et c'est comme, je vois toujours ça comme une rencontre pendant une minute avec quelqu'un. Et aussi long que l'image est en mouvement, il y a quelque chose qui est extrêmement pacifiant avec l'animation, c'est que dès qu'on, aussi long qu'on est du mouvement, c'est comme on est des bébés, aussi long qu'on sera pacifié. On n'aura pas peur que du côté morbide que dont parlait Philippe Alain, c'est que tu es confronté à ce qui se passe si tout arrête. Et ça aussi, c'est présent là-dedans. Mais donc, structurellement, c'est un espace homogène. Donc il n'y a pas d'image plate et 3D différente, c'est un espace. Mais évidemment c'est bizarre un peu, surtout ce qui se passe avec l'eau, comment elle se transforme dans une sorte de troisième matière qui n'est ni l'eau ni l'huile, mais qui est une sorte d'artificialité. Hein, c'est... Ah aussi, ça, on n'a pas parlé de ça, mais trouver forme à l'artificialité, je trouve intéressant. C'est une façon de dévoiler l'artifice et le procédé aussi. Ou peut-être pas tellement le procédé, mais de dire, moi je suis une construction, je suis faux. N'essayez pas de regarder à moi comme, maintenant je parle comme image, mais une suspension of disbelief. Et une autre question concerne les. Il y a plusieurs images qui montrent une foule, disons plusieurs personnages qui occupent l'espace, comme le Kinderheim que vous avez montré et l'aire de jeu, le football de basket d'Alger.
et celle-ci aussi. Alors, c'est ce côté archaïque que Thierry Davila citait avant, il me semble qu'il sort à travers ces images ou des personnes petites ou grandes, mais en tout cas qui sont pleines d'humanité, occupent cet espace. Oui. Mais c'est qu'ils ont... je veux toujours avertir, je pense, visuellement, contre la disparition de cette humanité et la numérisation. Dans Algiers Sections of a Happy Moment, cette conversation entre le contrôle et l'intimité est en faveur de l'intimité et du non-contrôlable. C'est étrange que ça donne un effet archaïque hein, des personnages, mais il y a un autre effet dans Algiers Sections of a Happy Moment, c'est que le plus qu'on regarde ces photos des êtres humains, le plus qu'on commence à les apercevoir comme des sculptures en béton ou en, je ne sais pas, quelque chose, un autre matériel que la photographie en tout cas. Et ça m'intéresse de voir, et ça, c'est ça le langage, non ? C'est qu'on lit le béton ou la sculpture, mais avec ça, on lit aussi que l'humanité a disparu et que c'est devenu un objet manipulable. Donc, il y a une qualité de la photographie, après 15 minutes peut-être, ou la fin du film, qui est disparue. Et qui n'est plus de l'ordre de la photographie, parce que l'ordre de la photographie, c'est l'ordre du chair et du sang et du battement du cœur, le côté morbide, le passage de la vie. Mais après avoir vu 500 images dans Algiers Sections of a Happy Moment, elle est devenue d'un autre ordre, d'un ordre contrôlable. Oh, c'est peut-être un monde auquel j'ai du pouvoir. Si j'ai vraiment accès à toutes ces caméras, ces êtres humains sont devenus des objets en acier, je ne sais pas quoi, peut-être quelque chose de liquide ou autre chose, mais ils ne sont plus humains. Et c'est ça aussi, grâce au passage du temps. C'est important, c'est une bataille contre la perte, comme Hölderlin disait toujours, il faut ouvrir ce lac qui gèle tout le temps, il faut toujours le casser avec un stick. J'aimerais vous provoquer un petit peu, c'est-à-dire que donc vous mélangez très bien artifice et réalité, et déjà la réalité est très difficile à décodifier, et vous proposez une sorte de manipulation du réel, quelque part. Mais pourquoi vouloir manipuler notre regard ? Oh, c'est comme ma sœur, hein. je ne tape pas dessus. Mais il faut donner il faut donner des petites choses. Mais c'est ce que vous dites, en fait, j'entends souvent et j'ai bien peur de ça me fait penser à une histoire. La reine belge vient voir mon exposition à Wils. Et je passe une heure et demie avec elle et j'explique comment j'ai fait tout et tout et tout, et elle m'a très fasciné. Enfin, c'est-à-dire, elle fait toujours comme ça. Et à la fin, elle a dit une chose, mais pourquoi vous faites tout ça ? Avec un regard un peu, pourquoi ? Qui est-ce que vous voulez manipuler ou qu'est-ce que vous voulez ? Et quand ce moment est venu, je dois dire que je suis bien coupable. J'ai fait quelques interventions de manipulation. Et de temps en temps, j'ai bien peur d'être un peu enseignant, comme ça, qui fait le doigt dans l'air et qui dit « Mais souvenez-vous de continuer à regarder et observer ». Et j'ai bien peur de ça, hein. ça peut être une faiblesse parfois. Mais je pense que l'important, c'est que la manipulation soit à l'avant-plan. C'est que la manipulation soit qu'on voit,
qu'on voit la manipulation, qu'on voit que c'est une construction. Même dans, il y a une autre pièce qui est The Quiet Shore, qui est une pièce qui a été faite au bord de la mer. Mais la mer a été complètement effacée et changée dans, en un miroir, miroir parfait. Et ça, c'est l'image la plus artificielle qui soit, la plus manipulée qui soit. La perception générale de la scène, elle est complètement... c'est la chaleur de l'été au bord de la mer. Donc il y a deux éléments qui sont complètement manipulés. Oui, c'est très manipulé, oui. C'est-à-dire que tu manipules les images, mais pas le regard. Et que manipuler les images, c'est ne pas manipuler le regard. Oui, c'est... J'aimerais bien manipuler le regard, hein. C'est... Oh là là, si je pouvais. Mais c'est impossible. Hein. J'aimerais bien qu'on voit exactement ce que qu'on veut qu'on voit. Mais ça, c'est de l'ordre du stalinisme. C'est un monde idéal. Buonasera. Sono qua. E non parlo bene francese. Ok. Ah oui, il faut que je mette les... Oui. Ok. In alcuni suoi lavori si parla del... almeno credo... si parla del rapporto tra l'occidentale con qualcosa di esotico, direi. Per esempio, lei ha detto che nel video di Algeri si cerca di... lei parla dello sguardo dell'occidentale sugli immigrati, ma la sua intenzione è quella di lanciare un messaggio politico? O è veramente la scelta di quelle immagini è veramente solo un pretesto per realizzare un lavoro tecnicamente eccellente? Okay. Merci pour cette question. Je résume. Dans, par exemple, Algiers Sections of a Happy Moment, que, avec les oiseaux, avec les mouettes. Quel est le rapport entre... le politique ou la politisation, et est-ce que c'est un message politique, si je vous ai bien compris ou pas. Et en fait, non. C'est justement d'empêcher que ça puisse devenir un message ou que ça puisse devenir politisé. C'est comme un effet de magnète, de polarisation. Dans la polarisation, quand on pense à la polémique et la polarisation, on pense toujours au conflit, c'est-à-dire un moment où ces deux énergies opposées vont commencer à s'abattre, vont commencer à se litiger, à entrer dans un conflit. Et à ce moment-là, on peut parler d'une politique. Mais je voudrais justement que ce soit empêché d'être politisé. Et parfois, j'ai fait l'erreur de, quand je parlais de cette pièce-là, d'aller prendre l'exemple de la Palestine, de la discussion des territoires palestiniens. Et l'impossibilité de la communication avec le peuple israélien et l'impossibilité en fait de résoudre ça. Et dans le langage, dans la conclusion, l'État d'Israël serait les mouettes et les petits voyous seraient évidemment les Palestiniens. Et je ne fais plus ça parce que, pour être honnête, ce n'était jamais l'intention. Mais ça devient une lecture d'un réalisme politique que je pense qui est absolument trop présent et esthétisé dans l'art contemporain. Et ce que je regrette, c'est que la politique est esthétisée
et elle manque exactement, précisément ce qu'elle veut obtenir. Et donc je ne voudrais pas qu'il soit possible d'en conclure certaines choses. D'ailleurs, ça a été toujours mon but, c'est de polémiser, si vous voulez, une matière et non pas un problème politique. Donc c'est un peu le contraire de ce que j'appelle le réalisme d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est parfois marrant. J'ai eu un curateur récemment qui me visitait et qui me disait oh, « Je fais toujours des expositions politisées. Maintenant, je viens chez vous parce que chez vous, vous esthétisez les choses tellement. » J'ai dit « Ah tiens, c'est exactement une des lectures qui m'amuse beaucoup, mais qui, je pense, qui ne sont pas conclusifs. » D'ailleurs aussi, j'insiste que Oil Worker, c'est une pièce impressionniste, si vous voulez. C'est une pièce sur une matière, sur une étude de lumière. Et que Bordeaux Peace, par exemple, c'est aussi une pièce qui est une étude sur la lumière. Qu'en fait, la rhétorique puisse échapper, c'est un échappement de ce poids le réalisme qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu trop élaboré sur cette question, je suis désolé. Plus de questions ? En fait, vous expliquez que vous faites flâner, caresser une image. Vous montrez en fait une image sous tous ses côtés, sous toutes ses facettes. Mais l'image est objet, enfin, c'est surface. Et pourquoi est-ce que on n'arrive pas à toucher la personne? Donc, celui qui regarde, lui change dans son intérieur. Mais l'intérieur de la personne, on ne le voit pas, parce qu'il ne bouge pas. Peut-être il doit être vidé avant qu'on puisse avoir cet effet-là. En parlant du zombie, il doit être transformé d'être humain en objet, avant que ça prend place. D'ailleurs, je pense que quand une image est en mouvement, on ne peut pas espérer d'avoir un contact. On peut espérer d'avoir un contact dans la mémoire. Disons, moi, je dis toujours, je sais que je viens un peu ordinaire quand je compare ça avec la pornographie, qui a, par grâce d'un événement biologique en nous, qui nous donne l'impression qu'on est en certain contact avec quelqu'un. Mais dès qu'on enlève cet événement biologique, purement biologique, il ne reste rien autre chose que le pouvoir sur l'image, mais pas de contact. Et voilà. Oui, vous avez raison. Hein, il faut vider. Mais c'est toujours la polémique de la photographie. Est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est un être humain, non? C'est quand on est quand on parle de la photographie du film Tau. Au début on dit ah, l'être humain, on va pouvoir s'en souvenir à jamais, on n'a plus besoin, on peut mourir demain, on est quand même déjà éternalisé. Mais paradoxalement, il fallait justement perdre ça et ce contenu. Hein. Et ça sera, à mon avis, toujours la fascination avec l'image.
Et la grande peur, c'est de perdre cette, j'appelle ça une religion, hein, c'est de perdre cette authentication, entre la caméra, ce qui a le dévi qui a fait cette image là, et disons que ce soit un personnage, la connaissance que ça a été là-bas commence à se désintégrer. Je pense que collectivement on commence à comprendre que ce qui a été devant la caméra n'a jamais été là, n'est qu'un concept qui devient de plus en plus un concept pixelisé, digitalisé, et que avant tout on va surtout voir des propositions, même si nous allons croire que ce soit des choses accidentelles, comment ça s'appelle ce terme, contingency en anglais, contingent, d'une vie où tout peut se passer. Ça va petit à petit se transformer dans une vie qui va être servie sur un plateau. Monsieur, est-ce que vous voulez ça comme proposition? Est-ce que vous voulez autre chose? Et c'est un peu, en tout cas chez moi, la peur qui vit. Mais je pense collectivement aussi. Maintenant, je vais de nouveau trop loin. Ce qui m'a fasciné, justement, c'est votre chat qui échappe à ça. Le chat? Oui. C'est le film du oui. Chat. Oui, le chat, c'est un peu comme un thème. Lui ne subit pas cette. C'est presque abstraction de la chose. C'est comme s'il a. Le chat, il a beaucoup souffert, hein, quand il a été filmé. Mais le fait, j'ai fait plusieurs pièces avec le chat. En fait, peut-être pour expliquer un peu plus généralement, ma première pièce, c'était une pièce avec un chat et un oiseau qui sont l'un à l'autre à côté tranquillement, sans s'attaquer. Déjà ça, c'est le contraire du conflit, mais il y a évidemment du conflit. L'oiseau n'a pas vécu longtemps, le chat, le pauvre. Je ne le ferai plus aujourd'hui, je vous le promets. Mais le chat comme sujet, parce que je vis avec un chat, je l'observe souvent, c'est un peu comme dans la peinture, comme une nature morte ou deux chaussures sur la table. C'est un sujet qui est accessible facilement et qui libère, qui n'est pas compliqué, qui donne toujours des idées. C'est ça un peu la raison pour le chat. Grazie a tutti per essere stati qui questa sera, grazie a David Clairvaux, Philippe Alain Michaud, Thierry Davila, e nel salutarvi vi ricordo che i nostri appuntamenti sono sempre molto numerosi al teatrino, tra concerti, incontri, trovate sempre tutto sul nostro sito oppure iscrivendovi alla nostra newsletter. In particolare vi segnalo che da questo lunedì 15 inizia un nuovo ciclo di incontri tra grandi direttori di musei su appunto queste tematiche, sul futuro dei musei nel XXI secolo, e questo lunedì 15 alle 18 inauguriamo con il nostro direttore Martin Béthenault e Alain Seban, direttore del Pompidou. Grazie.